Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça reste dans la cave! Ouais! Et aujourd'hui, Jeffrey, qui est-ce qu'on a avec nous? Toi, attends une minute, tu m'appelles Jeffrey, mais tu sais que mon nom c'est Jeffrey, right? Comme tu mets E-R-E-Y quand tu me dis mon nom, mais c'est... C'est drôle, tu m'expliques de quoi comme si que je care. Alors, Jeffrey, qu'est-ce qu'il y a avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans la cave? Ben, nous avons à mon devant moi... Non, je suis pas supposé dire qui est là. OK. Oh. Donc, nous avons à ma droite un jeune homme. Tu peux te présenter? Oui, présentez-vous. On lance Marc-André Lacouffe. Je viens de Tracadie, je joue avec les Titans. OK. Numéro 42. Ouh. Ah, t'as une... OK, ton numéro. Je pensais pas qu'on allait faire comme numéro. Non, mais c'est officiel. J'aime ça. J'aime ça. Okay. Non, c'est cool. Ouais, et à ma gauche, on a. Je suis Alexandre David, Pigeonial. Puis je joue avec les Titans, je suis numéro 98. Wow. Alors, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le voir, nous sommes avec les Titans d'Acadie Batters dans la cave. Et merci beaucoup à notre ami Jean-Daniel qui a facilité un peu tout ce processus. On pourrait applaudir Jean-Daniel. Bravo, Jean-Daniel. Oui. Je trouve que tu as mis ami pas mal rapide. Mais je dis, c'est moi, quelqu'un qui me donne 3$ par mois, c'est mon ami. Ah, there c'est you par go. Année. C'est vrai, quand on même... lui donne vraiment beaucoup d'amour. Non, c'est quand mais même... Mais aujourd'hui, c'est pas à propos de lui. Pas Est-ce pour que... l'instant. Question. Ça fait combien d'argent par année, 3$ par mois? 3$. Sérieusement? Non, mais j'aimerais ça que quelqu'un me réponde. Mais c'est qu'avant ou après les taxes? Non, mais c'est... Vas-y, 3$ par mois. Combien d'argent par année? 36. Bravo! Puis on dirait à ça, tu le mets comme ça, j'ôterais le mot ami que j'avais mis au début. C'est ça. Parce que c'est plus... Je dis 36$, c'est pas grand-chose. Non. Alors... Installe-toi. Ah, là on parle. C'est bon, là? Oui, là, je suis confortable. Moi? Non. Alors, habituellement, nous, on boit du café très tard. Est-ce que ça fait... on est très dur sur les French Press. Ça, c'est la quatrième qu'on passe depuis le début. Je sais pas comment ça qu'on les casse. C'est Tina. Ça t'offre... Oui, c'est Tina. On va blâmer ma femme enceinte de 8 mois. Okay. C'est plus facile. Elle peut pas descendre vite. So, moi, j'ai une question de... j'ai une question de fan. Ouh! Et j'ai une question de fan. Oui. Puis je vais la poser à Alexandre avant. Ouh. Comme ça va donner une chance à Marc-André d'y penser. Okay? J'aime ça. Est-ce que tu entends dire que il est moins vite que lui? Peut-être. OK, on va prendre ça. Ouais. Il répond. Oui. Donc, si tu étais obligé, ça vient de Denis. Oui. Shout-out Denis. Denis Leblanc. Donc, si tu étais pour te pogner, s'il fallait absolument te pogner avec un gars de l'équipe, absolument dropper les gants, absolument avec un des gars de l'équipe, qui et pourquoi? Je pense que je prendrais le relais. Vraiment? Et pourquoi? Ben, il y a un petit peu niaiseux. On aime le niaiser, puis il est pas si smart que ça, puis il est pas fort. Ça, il est pas fort. Une fois, parce que ça serait facile. Vous ça autres, pas le team bonding, c'est team bonding, j'aime ça. Respect. T'aimerais-tu ça, style sur la glace, avec votre visière, pas de gants, ou old school helmet and glove? Old school helmet and glove. Nice. Ça serait nice en Estrie. Nice. Donc... T'as commencé. C'est quelque chose qu'on peut prendre un setup. Jean-Daniel nous fait un petit oui. Oui, Jean-Daniel est comme garde, ça peut arriver, garde. Un cage match. Après une game, je dis. La question vient ici, puis tu n'as pas le droit de dire de relais, toi non plus. Non, parce que ça serait trop facile, 2 contre 1. Moi, j'irais contre Alec Gréhomme. Ouh. Vraiment? Ouais. Il est un peu trop confortable, puis il se pense tough, je pense. Ok. Vous êtes-vous dans la même équipe? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça qui est la question. Tu pourrais le mettre à sa place. Ouais. Il y a tellement d'amour. On vit ensemble aussi, fait qu'on aime ça se niaiser un peu. Ok. Excellent. Et la caméra qui développe une très belle qualité doit sûrement voir le petit fil bleu que tu as au menton. Qu'est-ce qui s'est passé là? On faisait des drills de bataille. Je le voyais ici. Non, ça, mais c'est la lumière, c'est parfait. Ouais, on fait des drills de bataille, puis j'ai pogné un high-stick de Verti. Vous faites des drills de bataille? Ben, comme un... une simulation. Un contre un, genre, pour pogner le puck, puis ça, là. Oh, OK. Je pensais, j'étais comme... C'était pour suivre la question de fight, là. Qui tu dropperais les gants, puis là, drill de bataille. Parce que je vous dis, s'il y a des drills de bataille, peut-être que j'allais voir les entraînements plus souvent. C'est Verti? Verti, ouais. Verti? OK. Ouais. Ça, c'est quelque chose, hein? Comme... Tu sais, vous autres, vous jouez dans une ligue où il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Ouais. Clairement. Les noms viennent pas tous de Pigeon Hill. Ouais. De okay? C'est pas des Cormier, Savoie, Leblanc. C'est pas aussi facile autres. Que ça. C'est-tu comme un ajustement, tu sais, comme quand il y a un nouveau qui arrive, t'es comme. Verti? 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 Un petit peu des fois, là. Ouais. Ouais. Pas tout le monde, là. C'est pas mal. Il y en a-tu qui prend offense? Que t'arrives pas à dire son nom la première fois, non. Je pense pas. Non, je pense trouve plus ça drôle un peu, là. Mais c'est ça, là.
Parce que moi, nous, à l'école, là, on en massacre des noms. Tu sais, des fois, il y en a les étudiants internationaux. Ils sont là. Toutes insultées, les petites filles, toutes insultées. Non, tu sauras que c'est Claracia Caravivova. Je suis comme, parfait. Alors, Clara, parfait, merci. Non, non, mais on fait notre mieux, on fait notre mieux, comme tout le monde, bien sûr. Et... all le hockey, messieurs. Parce que sûrement que les gens, ce qu'on veut faire, c'est clairement, je pense, les gens vous ont déjà entendu parler de hockey. Hors hockey, je crois que c'est ça qui était un peu le but de ceci, c'est... on veut un peu savoir, qu'est-ce qui est vos passions hors hockey? Si on commencerait par toi cette fois-ci, ou lui. Alors, as-tu une passion? Si tu dirais comme, t'as une chose à faire pour le restant de ta vie, c'est ta passion, ça va être ta passion, qu'est-ce que ça serait? Je suis pas sortant sans niaiser. Je pense qu'on irait avec le couf avant. Ok, pense-y. Oh, le couf. Moi, ça serait vraiment jouer au basketball, et puis garder le basket, j'adore ça. Est-ce que t'aimes plus ça que le hockey? Non, j'aime beaucoup plus le hockey, mais genre à part que le hockey, quand je suis chez nous et que j'ai rien à faire l'été, je shoot au basket, je m'amuse dehors, puis le soir, je garde des games de basket à LeBron James, puis ça, puis j'adore ça. So, t'es un NBA fan? Ouais. Moi, c'est plus que le collège? Ouais, comme je garde pas vraiment le collège, je garde Duke un peu parce qu'ils ont beaucoup de bons prospects. Là, mais... Tu trouves qu'il y a un manque d'opportunités dans la région pour quelqu'un qui aimerait, qui a des rêves de jouer plus loin, comme dans la région, par ici, que ça soit dans la péninsule, au basket? Ouais, je pense que ils ont pas vraiment de... C'est plate, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, nous, à l'ESL, qui voudraient et qui travaillent fort, puis il y a juste... Il n'y a rien. Ouais, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont vraiment forts pis ça, mais qu'ils n'ont jamais eu de... Ils n'ont pas de camp comme les camps d'hockey par ici, ou ils n'ont pas de... Parce que même universitaire, c'est pas tout le monde qui joue. Là. Mais t'as-tu joué quand t'étais kid, plus kid? Non, j'ai vraiment joué dans une équipe, je joue juste pour le fun. Okay. Des fois, on fait des pick-up games dans un gym. Moi, c'est le seul sport que je me vois fan et out. Parce que j'aime de quoi par le basketball, ringside, pas ringside, mais courtside. Juste là, il y a de quoi avec ça que j'aimerais. Même si j'aime pas le sport vraiment. Toi, tu es assis à côté de Kevin Hart puis juste crier après les arbitres. Moi, je me vois hangout avec Drake puis juste lâcher des whacks. Nice. C'est ce que j'aimerais. Nice. Et toi, le passe-temps que tu devrais faire Moi, je pense que ce serait la pêche. La pêche, man. As-tu pêché un peu dans la région Mon père, c'est un pêcheur. Ok. Oui. L'été, je descends. Attends, de Pigeon Hill, c'est un pêcheur. Oui. Il y a de l'eau à Pigeon Hill. Les stats, comme. C'est quoi les odds? Les quoi? Les probabilités. Les probabilités qu'il soit un pêcheur. T'essayes-tu de faire du sarcasme? Ben, pas mal. J'essaye, mais c'est comme... C'est 80% quand il verra sa Pigeon Hill. C'est ça qui était la joke. Ouais. C'est comme si tu viens de la mec qui pêche pas. Le homard. Il pêche au homard. Nice, toi, c'est-tu ça que t'aimerais faire? Ouais, j'aimerais faire ça, puis juste faire du bateau, j'adore ça. Ah, juste aller sur l'eau. As-tu goûté le homard de par ici? As-tu eu la chance cet été? Oui. Mais il reste à Pigeon Hill, tu sais pas c'est où? Ben, Pigeon Hill, c'est l'Acadienne. Ah, tu m'as dit dans le nord du Québec. Non, mais même à ça, c'est quand même pas le même. Il y a pas de pigeon au nord du Québec. Je sais pas, moi. Si bon. Personne m'a dit. T'as pas d'allure. Pitcher, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence au goût entre lui de la région chaleur et lui de la péninsule? Ben, j'aime pas le mort. Jesus. Oh! Ah! Non, j'aime Révélation, pas ça. Révélation, mesdames et messieurs, ça sera dans les médias sociaux sous peu. Parce que t'aimes juste pas ça? J'aime fils juste d'un pêcheur qui aime pas ça. C'est correct. Il doit être déçu. Mais de manière, comme mon père m'a tout expliqué, la manière de faire de l'argent, c'est pas consommer le produit que tu vends. Oui. Je pense pas qu'il parlait d'homard, mais... J'ai des jokes de drogue, là. Non, mais c'était pas... un peu ça. C'est ça que j'essayais de dire. J'ai de la misère à voir ça quand c'est écrit entre les lignes de même. Surtout à pêcher, ça serait un de tes... Ouais, As-tu fait comme des petits voyages de bateau aussi? Tu dis que tu veux faire du bateau. Ouais, j'aime faire le bateau, ouais. Sauf vous au Pigeon Hill, comme le 15 août, puis ça, vous allez à la Caraquette, probablement. Oui. Ah, that's cool. That's cool. C'est-tu bon, café, Fred? Tu trouves-tu qu'il y a un petit peu de graines dedans? Il est trop grindé. André, il y a de la graine pas mal dedans, Jeffrey. C'est mangeable. Mais Oh, c'est bon. Denis avait une autre question, je crois. Y avait-tu pas dit quoi ce qui était comme leur dream team? Si vous pourriez faire comme un... So, si vous auriez à monter comme une dream line, comme si vous étiez dans votre passé, dans votre growing up, les joueurs de hockey que vous avez vus, ou même dans le présent, ou dans le futur, si vous étiez à vous faire une ligne des avant, des défenseurs, un gardien de but, avez-vous comme une... peut-être quelques joueurs, des mentors, ou... Moi, je prendrais Wayne Gretzky puis Mario Lemieux à l'attaque avec moi. Ouais, ben peut-être. Les classiques. Ouais, peut-être. Ça, je les connais, ces deux-là. Gretzky, dans son jeune temps, quand il buvait pas autant, probably. Ouais, ok. Où est-ce qu'il boit? Ah non, c'est correct. T'es-tu prêt à starter des rumeurs? Qu'est-ce que tu fais, pitcher? C'est de même, tu commences des rumeurs. Imagine la semaine prochaine. Imagine la semaine prochaine, au stage, où il passe à team. Qu'il boit pas. Gretzky, Lemieux. À défense, Bobby Orr. Bobby, nice. Ok, t'es dans les vieux de la vieille. Oui, mais c'est les classiques. Faut-tu faire attention, Do? J'ai pas entendu de palette droite encore, c'est bon.
Qui d'autre? Ton goalie, as-tu un goaler? Goalie? Moi, je suis un goaler, je n'ai comme 8. Braden Holtby. Ouh! S'il n'était pas dans mon top 8. Mais c'est bon, ça. Non, il est bon. Yeah? Surtout, ouais. T'as même besoin de 3 joueurs. Tout, d'après toi, ces 3-là, c'est excellent. Ouais, moi, je pense que ça serait bon. Nice. Nice. Marc-André, tu vas-tu le one-upper? Moi, je pense que mon équipe serait meilleure, là. Oui, clairement. Il y a avec 3 gars. Ouais. 3 gars et un goaler. Non, je prendrais Crosby au centre. Crosby au centre? Ouais, avec Gretzky puis Pavel Datsyuk. Oh. J'adore Pavel Datsyuk, là. Il est méchantement, comme on dirait. Puis à Def, je prendrais Bobby Orr puis Piquet Subban. Tu vois, déjà là, il y a un power play. Ouais. Avantage 5 contre 3. Ton goaler? Carey Price. Carey Price! Tu vois l'arrêt qu'il a fait contre Ovechkin? Ouf. Il aurait été se donner comme une petite tapoche après, là. J'ai aimé ça. Pas le choix, là. Non, non, non. Ça vous arrive-tu des fois, de pendant un match ou quelque chose, je sais qu'on n'est pas supposé de parler de hockey, là. Non, on peut parler de hockey, on peut parler n'importe quoi. Tu sais, pendant un match, là, tu vois quelqu'un faire une move du tonnerre ou comme tu viens de défendre, tu sais, tu viens de défier contre quelqu'un ou tu viens, il t'a fait une grosse move, puis t'es pas trop insulté, que t'es comme, il y a ou en passant à côté du banc. C'est rare que ça arrive, là, mais maintenant que quelqu'un t'a fait, puis tu vois la face-off ou de quoi de même, tu peux dire vite fait, là, mais c'est pas... Je ne vais pas aller. On le voit pas. On le voit pas. Tu donnes pas des high fives aux autres. Ouais, je vais donner des high fives et dire hey, tout est bon, j'aimerais être comme t'es. Imagine comment ça serait comique. Il y aurait juste un joueur qui est comme ouf le but, buddy, puis il irait voir hey, hey, what hey, man. What a, hey, ma mère l'a filmé, je te le texte plutôt là. Comme on va snapper ça, je vais taguer dedans, c'était awesome. T'es comme buddy, c'est 6-0, comme concentre-toi. Ah oh, man, c'est. Hey, j'aimerais ça qu'il y aurait un joueur de même. Je pense j'arrêtais de même. Il est juste mauvais, il garde juste parce qu'il est le fun à voir sur le boss, mais il est juste là. Il est juste énergie. Là. Il est juste. Ah, I like that. C'est bon ça. Avez-vous déjà rencontré un joueur de même? Non, ça ne doit pas. Surtout pas à votre âge. Non, pas que c'est ça. Je pense qu'on vous veut pas, vous devez le mettre. C'est pas une... Timbit là où est-ce que comme il arrive avec comme les petites collations avant, guys, je veux pas que vous ayez une baisse de sucre, regarde. Nous autres, je me rappelle, c'est le plus haut que j'ai joué, c'était Timbit. Puis j'étais là pour les Timbits. J'ai joué au hockey. Je patine très bien, j'ai le hockey, je sais pas. Anyway. Tu trouvais ça comment, Frédéric? Entre chaque période, on se high-fivait. Nice. Les deux équipes? Ouais. Tu es mess. Non, mais that's what it was. On s'aimait. On avait des hugs à la fin. C'était rough, les Timbits dans le temps, mesdames et messieurs. Ben, ça se vengeait à coups de bâton, mais c'était comme des petits toothpicks, là. Hé, hey, mon cou, je me poignais tout le temps par le neck strap. Chris, c'était tannant, ça. Puis je guettais pas. Toutes les autres, ça carrait pas. Moi, on dirait, j'avais quoi, j'aimais pas. Je ressens que ça va être dans ton livre, ça. Non. Chapitre 9, abus du coach. Non, je guettais pas. Puis toutes les autres répondaient bien à ça. Moi, j'étais comme, quoi, si tu veux. J'étais pas fait pour le. Toi, t'avais pas la tape sur les fesses ou la tape sur les shin pads. Toi, t'avais. Mais moi, je trippais pas que cet homme-là me touche vraiment. Non, je suis d'accord. Non, mais il était mécontent quand il faisait ça. Là. OK. Ça voulant dire, comme, arrête d'être un innocent. All right. So, vous autres, les boys, les podcasts, c'est-tu dans votre répertoire? C'est-tu quelque chose que vous consommez? Vous pouvez dire non, soyez honnête. Parce que vous faites la route quand même assez, pas, là. Ouais, ben, un peu Spitting Chicklets. Okay. J'écoute ça juste une fois de temps en temps, là, mais, tu sais, il y en a un autre pareil, Joe Senegalo, tu sais, des gars comme ça. Yeah. Je le regarde des fois de temps en temps. Tu me surprends, mais je pensais pas t'allais. Joe Senegalo, c'est. Tu connais. Ben, moi, j'adore Joe Senegalo. J'aime ses vidéos. J'aime dans tout sa ce qu'il cave. Fait. Là. Ben, il est plus dans la cave. Il est rendu un beau loft à New York. Comme il a steppé up. Qu'est-ce qu'il fait les ad-libs avec son frère, là? Mais qu'est-ce que son podcast? C'est. The Basement Yard. Basement Yard. Basement Yard, c'est un bon petit podcast. Toi, c'est quoi tu consommais? Non, j'écoute vraiment pas ça. Qu'est-ce que t'écoutes quand vous êtes sur la route? Juste à dire. Est-ce que le plus loin que vous avez été jusqu'à date? Oh, cette année? Ok, ok. Le plus loin? Ouais, est-ce que le plus loin que vous avez été? Sûr. Québec, ouais. Ok. Remport, ça, là? Ouais. Qui est 5 heures à peu près? Ben, en bas, c'est probablement 12. Québec, je sais pas, là. Je pense que c'était 8 heures. Ouais. Oh, fuck. C'est quoi que vous faites pendant 8 heures? Et ça, il disait écouter des films. Qu'est-ce qui est ton latest, greatest, là? Le meilleur que t'as regardé dernièrement, qui était ton coup de cœur un peu, là? Que tu peux dire? Ben, j'écoute plus des émissions, comme des séries. As-tu écouté Big Mouth? Non. Oh! Man, Big Mouth est awesome. As-tu écouté Big Mouth? Non. Oh! Boys! C'est comme le best cartoon que j'ai jamais. Did you watch Big Mouth? Yeah, okay. It's awesome. We'll talk about it later. Season 3 is coming up. Okay, mais quelle série t'écoutes? C'est comme un fourth wall. C'est wall break. J'écoute Brooklyn Nine-Nine. Oui. Oh, c'est yes. Classique. Oui, c'est classique. Très bon. Yeah. I love it. C'est déjà un classique. Adam Sam. Je pense que oui. Il vient de dire c'est déjà un classique. Pour vrai, je trouve oui. Non, oui, c'est parce vrai. Que t'entends tout le monde dire coucou, 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 coucou. L'autre jour, j'ai tout le temps dit ça. Puis quelqu'un m'a dit l'autre jour, je le disais à cause de Brooklyn Nine-Nine. Puis je me rappelais pas que c'était à cause de t'as ça. T'as toujours dit ça, Frédéric. Vois-tu? D'après moi, c'est eux qui le disent à cause de toi. Manger de mort. Anyway, mais
Quelle autre série t'as... Écoutes-tu un peu de série toi aussi, un peu de film ou... C'est... Un peu, là. Je suis pas trop un gars de film ou rien, là. Non. J'écoute un petit peu de Family Guy, puis... Oh, yeah. OK. Nice. Ouais. Tu vois, si t'aimes Family Guy, Big Mouth, là... Ah, oh, tu vas adorer. C'est la même chose, hein. Ah, oui. Ah, c'est pire. C'est comme... Quand c'est cru, là, quand Stewie bat Brian, là, parce qu'il a pas payé back son argent, là, mais c'est comme... C'est ce que c'est code above, Family Guy, qui, j'adore, mais je trouve qu'il n'y a pas comme... C'est, ça suit pas. Ouais. C'est vraiment juste tac-tac, mais Big Mouth, ça suit quand même. C'est vraiment ensemble. Big Mouth, le créateur, voulait parler de puberté chez les ados, chez les jeunes ados. Puis là, ils ont pensé, comment est-ce qu'on peut faire ça de façon à ce que ça serait correct de mettre à la télé? Puis là, ils ont dit, ben, on va le mettre en cartoon. Ils l'ont mis en cartoon. Ça fait aucun sens. Malade. Anyway, c'est malade. Regardez, check it out, ça vous tente. Yeah. Okay, on arrête de parler de Big Mouth. Big Mouth. Bah, c'était bon. Big Mouth. On devrait sponsorer, j'aimerais sponsorer. Oui. Hey, on n'a même pas parlé de nos sponsors. Qui? C'est qui nos sponsors aujourd'hui, Frédéric? J'ai oublié l'épisode, peut-être qu'on pourrait le faire à la fin. Oui, on le fera à la fin. On le fera à la fin. On vous aime. Mais vraiment, dit, le sponsor, c'est les Titans. Notre Titan sponsor. Hey, t'as-tu... On va... OK, c'est beau. Hey, là, vous avez vu, là, je regarde à côté, là, c'est parce qu'on a un director aujourd'hui. La caméra est là, comme ça, je regarde là. Et on a d'autres joueurs. Vraiment, il nous dit rien, c'est juste qu'il fait comme des oui, oui. Puis des non. Comme tantôt, j'ai commencé à parler quelque chose, puis il faisait non. Comme ça, non. Non. Puis là, il fait oui. So, c'est le fun. So, vous autres, quand même, les boys, vous avez l'opportunité de retourner quand même chez vous de temps plus souvent que d'autres qui sont ici ouais, de plus moi, loin. C'est rare que je vois chez nous. Là. Pas de quoi je veux vraiment. Là. Non, mais on est bien notre pension. Puis ouais. Là, ça fait 2 ans que je suis ici, puis j'ai même été chez nous 2 fois quand je pouvais. Là. Mais OK. À part de ça, c'est juste les breaks, puis tu sais, les vacances de Noël. OK. So, t'es vraiment, ouais. T'es par ici, tu fais, c'est ta ouais, job, ouais, c'est là ce que tu dois. Tu vas-tu, toi, t'as fini l'école ou tu vas à l'ESN tout? Ouais, moi, il me restait un cours à faire high school. OK. Parce que je faisais ça en ligne, puis okay. Les autres années, c'était plus tough de les finir. Yeah, fait que là, je finissais mon dernier cette année, puis après Noël ou l'année prochaine, je vais à l'université. Là. Oh, yeah? Ouais. Qu'est-ce que tu penses aller? Hein? À you? Sais-tu? Pas... Non, je sais pas encore. Non. T'as-tu une idée de quoi tu veux faire, là? C'est soit en business ou en genre kiné ou quelque chose comme ça, faire physio. Ou... Nice. Ben, j'adore le business. Ouais. Nice, man. Yeah. Ouais. Business. Toi, c'est-tu sur ta ligne un petit peu? 16 ans, I guess, c'est plus tough, ça va. Ben, ouais. T'as dit que tu voulais tu pêcher. Tu penses-tu aller étudier quand même ou juste. Ouais, je suis sûrement allé étudier pareil. Nice, man. That's cool. Business. Business. Ouais. Pour vrai, là, je pense 90% des jeunes, on demande souvent aux jeunes comme où est-ce qu'ils s'alignent sur ça? Business. Yeah. Business. Ouais. Business. À recommencer, Jeff Irambé. Mais c'est l'ère des entrepreneurs. Parce que sur les médias sociaux, ce que tu vois des entrepreneurs, puis c'est, ça te drive à essayer de le faire toi-même, je pense. Comme. Ouais. Sur vous êtes tout en ligne, right? Ouais. Vous êtes tout en comme ça. Là, tu as sorti Snapchat tout à l'heure. Snapchat, toi et tout, j'imagine que oui. Y a-tu, comme sur Instagram ou quelque chose, avez-vous des motivators que vous suivez beaucoup? Y a-tu des gens que vous suivez? Qui vous motivent ou des gens qui vous inspirent? Ou... C'est juste comme les gens autour de vous qui vous motivent. Moi, et ça, c'est corny. Je sais pas, je suis une couple de gars de la Ligue nationale comme Crosby ou LeBron James. Là, puis là, tous les jours, il fait son vidéo avec ses workouts. Puis ça, là, mais. C'est le fun de voir que Doe met le Daily Grind. Ouais. Je pense tout le monde. Puis ce qui est le fun, c'est comme oh, ça me tente pas. Tac, tac, ok, ça me tente. Ouais, parce que ça. Tu vois que le monde. Ouais. Parce que qu'est-ce qui disait ça? Si quelqu'un. If you don't put in the work, someone else is putting it. Ouais. C'est Gary Vee. C'est Gary Vee? Gary Vee. Gary Vee disait, c'est ça. Gary Vee, si tu ne travailles pas, quelqu'un travaille. Ouais, je le follow lui aussi. Je regarde sur cette vidéo. Puis sur vos médias sociaux, je vous dis, I guess, à votre âge, tout le monde est wide open, mais c'est-tu de quoi vous essayez de builder comme un fan base un peu par rapport au hockey ou c'est pas plus que ça, comme vous carrez pas, puis c'est pas. Ben, quand je poste Insta, c'est plus des photos de hockey. Ok, so. Ouais. Vous avez comme un following qui vous suit pour ça, justement? Oui. Ok. Moi, je mets juste des photos, puis le monde qui veut me suivre, il me suit. Mais c'est ça, c'est pas axé sur ta carrière de hockey. Non, c'est juste... Ok. Parce que nous autres, ça, c'est un peu le viewing angle que nous autres, on a. C'est en tant que, tu sais, on travaille des écoles, on est des enseignants. So, quand on est sur Instagram ou des choses comme ça, dépendant de ce qu'on share, va être vu différemment. Ouais. Ben, vous autres, qui est quand même dans l'œil du public, tu sais, vous êtes quand même vous êtes des mentors pour plein de jeunes. Puis, ils ont souvent, comme là, jasé avec une aujourd'hui, elle disait qu'elle va acheter un sel à sa fille, puis la petite a 10 ou 11 ans. So, eux autres, ils ont déjà accès à ces choses-là. So, tout ce que vous mettez, dans le fond, va venir à les influencer. Ouais. Commencez-vous à penser à ça? C'est ça, quelque chose en tête, que... quand tu poses de quoi, t'es-tu comme, ah, peut-être toute ça la vie de la batteuse cousine va ça se peut quelqu'un, t'sais? Ou c'est juste... Ben, pas vraiment. Non. Je suis pas aussi, comme... Ouais, je fais quand même attention, tu sais, je mets pas non, n'importe c'est quoi, tu sais. Je pense que Jean-Daniel vous crierait un petit peu si quelqu'un aurait peut-être des médias sociaux plus... Osé.
oser. Mais non, mais c'est... Non. I guess c'est tough avoir une conscience de même quand t'as 16, 17, 18 ans. Veux, veux pas. Comme moi, quand j'avais 16, 17 ans, je disais ce que je voulais, puis that's what it was. Puis ouais. D'une manière, nous autres, quand j'avais cet âge-là, ça n'existait pas. Tu sais, je pense, Facebook a sorti, j'avais 18. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un. Ah non. C'est beau. Je bois beaucoup de café. Qu'est-ce que t'as? Rien! Rien! Laisse-moi boire. Non, j'ai rien. T'as rien? Mais... ah, oui, je vais en aller avec ça. C'est impossible, c'est ça, c'est en même temps, c'est, ça revient, c'est... Vous filez, vous, non, I guess, vous filez pas qu'il y a une pression que... Vous filez-vous comme observé, même comme... Quand vous allez comme dans la région, filez-vous que les gens vous observent ou... C'est pas, t'as pas cette pression-là de tout en bien faire partout. Je fais quand même toujours attention que je mets ces sociaux-là. Non, mais c'est ça. Parce que, tu sais, je veux quand même pas détruire ma réputation pis ça. Non, mais c'est ça, ouais. Je dis, comme... Parce que veux pas, il y a tout le temps l'idée d'aller plus loin aussi, tu sais. Puis comme, tu veux pas de quoi vient de baiter quand t'avais 16-17 ans. Puis, tu sais, mettons, tu vas rester avec un chandail des Titans, tout de même, tu veux bien représenter l'équipe, ça. Fait que, tu veux pas faire le fou non plus, là. Non. C'est-tu de quoi qui vous est demandé? Tu sais, comme exemple, comme, veux pas, comme à votre âge, tu sais, il y a des opportunités d'aller, tu sais, que ce soit les parties ou n'importe quoi, comme, si vous vous demandez, comme, exemple, en guillemets, là, comme, vous pouvez pas effer up, là. Ouais, c'est sûr. C'est ça, comme vous avez quand même une pression de performer et puis d'être... En parlant de pression de performer, comment obligé étiez-vous à être titre? Beaucoup obligé ou moindrement obligé? Ça me tentait, là, mais genre, c'était un podcast à 7h. Ouais. Oh, Jesus. Mais c'était le fun. Là. Non, mais c'est ce que je vous dis, comme, là. C'est pour ça que j'aime G-League, comme, it's business. Non, tu vas dans son liste, c'est bon pour l'équipe, puis je pense, comme, props to G-League pour essayer justement de... ouvert comme aux nouveaux médias, que ça soit ce qu'il fait sur Facebook, que ça soit qu'il fait n'importe où, justement comme donner l'opportunité à pas juste les gens qui vous connaissent, mais d'autres gens peut-être découvrir. Puis c'est aussi stupide que ça peut faire un lien que les gens vous voient ici, c'est des bons gars, peut-être j'irai voir une game plus, ou peut-être comme, tu sais, veux pas comme le sentiment d'appartenance, puis le sentiment de connaître ton équipe, puis savoir c'est des petits gars qui vivent 45 minutes d'ici, qui jouent pour nous autres à batteuse, il y a des gens. 45 minutes? 3h30. Non. Comment si le pont qui pitch une île? Si le pont est stock, si le pont est stock là, mais là il est barré. Ok, mais t'es-tu proche? Tu prends le ferry. Pitcher. Non, je t'attire. C'est proche de où? C'est-tu proche de. Ben, tu sais où est-ce que je suis pagan? Oui. C'est proche de la Mecque. Tu prends le pont. Ok. Tu t'en vas à la Mecque. Tu sais où est-ce qu'est la Mecque? Oui. Ben, comme, tu vas pas à Miscou, mais tu vas à Pitcher. Ok, c'est moins cru que Miscou. Ben, c'est pas mal la même affaire. C'est que tu splits. C'est deux chemins, ouais. Yeah. Ok, non, je sais où ce que c'est. J'étais à Miscou souvent. Je patine, j'ai enseigné à Marie-Esther. Puis j'ai enseigné là pour un semestre. Je restais ici, puis je travaillais. Puis il y avait une justement qui venait de, qui était dans mes classes. Puis c'était tout le temps la joke. Comme on drivait autant loin un et l'autre le matin. C'était juste ça. C'était juste ça, vraiment. C'est une inside joke dans ma tête, c'était drôle. Hey, c'est drôle, Jeffrey. Comme quand vous parlez à vos chums que eux ont pas exemple le lifestyle que vous avez, qui sont au high school encore, qui ont juste fait comme le typical 4 ans, avez-vous comme pas des regrets, mais êtes-vous comme j'aurais aimé avoir ce 4 ans-là moi aussi que j'aurai jamais back, ou c'est juste comme non, moi je suis content. Non, j'ai vraiment content de ce que je suis là. Yeah. Mais ça, c'est une belle liberté aussi, veut pas 16 ans, tu sais, comme t'as un beau pays, tu fais du sport comme à un certain niveau quand même, puis comme ouais, guess c'est mieux que passer 4 ans là. Mais j'ai au niveau c'est que tu sais pas, chums, tu l'as comme, jamais eu, right? Dans le sens que tu l'as pas mais vécu. C'est ça. Ouais, moi je le regrette vraiment pas là. Tu sais, après ça, après ma carrière, avoir genre d'autres choses à faire plus tard. Non, c'est ça, c'est. Je trouve pas que c'est sûr que c'est le fun d'être à l'école avec tes amis et tout ça high school, mais moi j'ai vécu vraiment de quoi de spécial. Bien sûr, quand c'est pas tout le monde qui a cette opportunité là. Oh là. Yes. Ouais. T'as vécu de quoi t'as là? C'est-tu? Je sais pas, ça se peut. C'est-tu de quoi? Parce que vous avez sûrement joué à un niveau plus bas avant, comme vous avez joué high school un peu, toi ça te doit pas. Non. Toi tu joues high school un peu, non, même pas. Non, tu t'as passé triple A. Ben moi j'avais été à Ottawa dans un prep school, genre une école privée. Ok. Je pense qu'Alexandre a fait de la même chose que moi aussi. Ouais, mais j'étais dans un prep school privé en Nouvelle-Écosse. De quel âge à quel âge? J'étais de 14 jusqu'à 15. Ça, as-tu trouvé ça tough d'école à 14, loin de même? Hey, 14 ans, c'est à 14 jeune, ans, mais... quand j'ai. Ouais, c'était loin. Puis c'était en anglais, puis je parlais pas beaucoup anglais avant. Puis là, il faut que j'apprenais, puis les cours en anglais, ça, c'était tough au début. Ok. T'as vite appris? Ouais, c'était mais fun. Mais t'as-tu trouvé ton niveau de jeu à augmenter? Oui. Beaucoup, ça, mais c'est ça. Ben, qu'est-ce qui était une semaine typique? Comme comment dehors, vous étiez sur la glace au prep school? C'était 1h30 par jour. Par jour? Ouf, ouais. C'est cool, ça, c'est... man. Puis c'est à peu près la même chose? Ouais, même chose que... Ouais, on a un training, puis une pratique par jour. That's cool. Ok. T'sais,
Ça a appris l'anglais puis tout, là. Je trouve que c'était bon. Puis ça, le but, c'est-tu justement d'augmenter le niveau pour éventuellement jouer dans la queue? C'est juste... Ouais, c'était ça, ouais. Puis ça ouvrait les portes aussi parce que, tu sais, je voulais apprendre l'anglais. Puis des fois, il y a un autre chemin qui est NCAA aussi. Puis moi, ça, je voulais apprendre l'anglais pour avoir une autre porte. OK, OK. Puis là, à la fin, j'ai décidé de venir dans la queue avec les titans. Fait. Mais je trouve que ça m'a quand même aidé pour mon niveau de jeu pour l'anglais puis tout ça. Ouais, ben, imagine un 2,5 par jour là, que tu peux aller jouer. C'est... Puis c'est... OK. La ligue est un peu plus forte aussi, puis il y a plus de population puis ça. Fait tu peux voir d'autres compétitions, puis tu peux voir qu'est-ce que c'est dans les autres provinces puis ça. Là. OK. Puis ça, ça serait considéré triple A, budget triple A. Ouais, c'est ça. Puis comme comparé au niveau de jeu que vous vivez, tu trouves-tu que le niveau de jeu était plus élevé ce temps-là ou c'est plus élevé dans la queue à cette heure? Dans la queue, 100%. OK, OK. Ouais. Grosse différence, une grosse gap ou? Ouais, quand même. Ouais. OK. Les joueurs sont plus gros, plus vite. C'est ça aussi. Là. Frédéric va jamais au game. Ouais, mais c'est pas dit, je peux poser une belle question. J'ai vu la masse de games aussi. Plus que j'anime le hockey high school, je sais que c'est pas la même chose, mais je vois du hockey une fois par semaine. Mais dans le fond, moi, j'en vois pas beaucoup, mais non plus. Je suis au game, je suis bien occupé. Non. Hey, ça, c'est quelque chose que je pense que je vois demander. Plus de hockey que toi, okay. Man. So, m'entendez-vous, actually, quand je fais mon tapage? Ouais, moi, je t'entends. Ouais, un petit peu. Ouais. Un petit peu? Ouais, ça dépend des fois. OK. Trouvez-vous ça tannant? Non, moi, j'aime ça. Imagine. Il est mange-mort, lui, dans la crowd. J'ai hâte qu'il arrête. Oui. Non, okay, moi, j'aime. Okay. Ouais. Cool. Non, c'est moi bon, aussi, hein. Pareil, c'est bon. OK. Right on. OK, je vais continuer. Ça me donne une chance à continuer. Après le podcast, vous pourrez dire que c'était pas... Okay. Merci, Frédéric. De rien, ça fait plaisir, Jeffrey. Mais... que je disais. Non, mais c'est ça. Hier, on avait une game high school de SN, puis je sais c'est pas le même niveau, mais c'est juste, c'était assez une belle game. Ça a venu à la 1 minute 18 avant la fin. L'autre équipe a taillé pour la prolongation. Prolongation, les autres, comme c'est prolongation 5 minutes, 3 contre 3, puis ça tombe en shootout. C'est le même, vous autres. On peut juste dire c'était contre Acadie, ça? Juste pour... C'est W.A.L. Oui, ouais, c'est ça, c'était contre Acadie. C'est ça j'allais parler. Dire. Mais comme, c'était une belle game, comme. Ouais. Parce que, il y a des joueurs... Acadie, as-tu gagné? Ils ont gagné en shootout. Oui, ils ont gagné en shootout, puis c'était pas premier 3-3, là. C'était quelque chose. Là, j'étais censé aller voir la game, mais j'étais à l'hôpital en cause de ça. Ben, justement, il y a un gars qui s'est fait de mal. Hier, il s'est cassé le fémur sur la glace. Quoi? Arrête de jouer. Arrête de jouer pendant 20-25 minutes parce qu'on pouvait pas le bouger. Il restait 4 minutes 3 à la troisième période. Puis je pense que ce break-là, ESN a un peu pris à la légère. Ouais. Ce break-là, il a pu prendre légère parce que toute Tracadie a été, je pense qu'ils ont focusé dans la chambre. Puis quand ils sont arrivés, c'était turné up. Ils ont fait pack. C'était 3-1 quand ça a arrêté. 3-2, 1 minute 18, 3-3. Puis après ça, c'était une belle game de hockey. Puis je suis content, ça a resté. Tu veux pas, un de tes joueurs se fait mal. Puis tu sais qu'il y a une rage. Tu veux pas être enragé, mais qu'il y a quand même une tension. Comme un des joueurs est blessé. Tu veux le faire pour lui un peu. Puis... mais c'est ça. Puis ça n'a pas venu trop rough. Ça a resté du beau hockey quand même. Moi, je peux apprécier ça. Parce que quand ça vire juste un. Parce que j'ai déjà vu là, des. J'ai vu des messes. Là, surtout high school, là, comme quand le monde ne care pas, là, comme ça peut virer vite. Là. Ben, il n'y a pas de pistes high school hockey non plus. Hein. Je serais pas prêt à dire que ça vire à ça parce que les jeunes sont sous l'influence de substances. Là, mais. C'est quand t'as la rage, là, puis les hormones et wide open, là. Oui. Mais je vous dis, ils ont votre âge. Il y a des kids qui ont 18 ans là-dedans, 16 ans, puis c'est... Ouais. Tu sais. Je pense qu'on l'a fait, mon homme. On l'a-tu? Combien de temps qu'on est? Yeah. On dirait 28. C'est ce que c'est dans le podcast. Exemple, moi, je commence juste à être warm up. Parce que d'habitude, on fait 1h40. Qu'on a fait 1h40 avec un gars l'autre jour, puis c'est comme... Non. Ben, les boys, c'était un plaisir de vous avoir avec nous autres. Si vous voulez dire de quoi aux gens, est-ce que les gens peuvent vous suivre à quelque part sur les médias sociaux, justement? Non. Non, là. OK, c'est personnel. Non, c'est personnel. C'est pour ça que je m'en allais tout à l'heure si c'était pour le public, là. Parce que des fois, il n'y a que deux accounts, là. Parce que tu peux switcher between accounts, là. Ouais. Tu vois un spam, là? Ouais. Moi, je suis pas sûr spam à JD, là. Non. Je veux pas savoir. Alors, Jeffrey, quelque chose à rajouter? Ben, il faut qu'on ajoute nos sponsors. Oui, on ajoute nos sponsors. Bien sûr, qui nous sponsorise cette semaine, Jeffrey? LB Vending Service avec leur café. Un gros merci. Il faut qu'on va en chercher d'autres. Oui. Olivier m'a texté. Et bien sûr, aussi le centre musical de Robertville. Merci beaucoup, Gino, pour l'équipement. Les micros que vous avez, c'est Gino qui nous a sponsorisé ça. Yes. Merci beaucoup à Pizza 13 pour de l'équipement qui s'en vient et tout ce qu'il fait pour nous et pour faire la meilleure pizza dans la région de Batters. Avez-vous mangé? Non, jamais. What? Calendrier menté. T'as jamais mangé pizza 13? T'as mangé pizza 13? Non. Si vous avez pas le droit. GD, hook it up. Hey, moi, j'ai amené mes filles.
Ouais, mais beurre, ma... manger de la pizza. Oui, ma fille, c'est son meilleur restaurant. Elle a 9 ans, elle dit, allez, on va manger au bout de la pizza au Pizza 13. Allez au bout de Lager, manger de la pizza. C'est awesome pour les boys. C'est au bout de Lager, ça? C'est au bout de Lager. C'est pizzeria, man. J'ai déjà été au bout de Lager. Ben oui, mais... La pizzeria, la pizza. Oh man, c'est classique italienne, là, il est fait. Mais quand vous êtes allé à la fin de l'année, l'année passée, il n'y avait pas de pizza encore. Non, c'est ça, c'est nouveau, là. Ok, ok. Yeah. Alors, merci à Antoine, Pizza 13, on t'aime beaucoup et merci pour tout le support. Et... On a aussi, justement, parce que c'est un spécial Titan, t'es qui toi dans la cave. Écoute, on a deux paires de billets, c'est ça? On a deux paires de billets à faire tirer. Aussi, il y a des t-shirts et puis il y a des calendriers aimantés à l'intérieur de ce prix-là. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux gens? C'est qu'on demande de le typique YouTube, Facebook, like, share. Like, share, il n'y a pas de subscribe sur Facebook. Non, so, alors que like tu likes et tu shares, share ton nom est automatiquement dans le tirage et on va le faire le plus rapidement possible quand l'épisode sort. Et c'est ça. Une semaine après que la vidéo est sortie, on va vous... Parce qu'on a les billets, comme il y a des dates sur les billets. Et c'est un match pour le... Celui-ci va être un match pour le 14 décembre. Donc, celui-ci, il y a deux paires de billets pour le 14 décembre. Cool. Vous allez le savoir juste avant. Parfait. Alors, merci beaucoup les boys. C'est un plaisir de vous avoir. Merci, puis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.